Bonjour à tous. Le marché attend avec impatience les chiffres du mois de mai de l'emploi aux États-Unis. Ils seront publiés cet après-midi à 14h30. Dans les valeurs à suivre ce matin, Valeo qui va remplacer Vallourec dans l'indice CAC 40 à compter du 23 juin. C'est ce qu'a annoncé le conseil scientifique des indices d'Euronext. Et puis Air France, KLM qui a vu son trafic passager progresser de 2,5% au mois de mai. Un œil enfin à Sanofi qui reste à l'écart de la fièvre des acquisitions. Le patron du laboratoire estime que ces métiers sont aujourd'hui bien pourvus et regarde de loin la frénésie qui s'est emparée du secteur. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire BNP Paribas, Georges Chaudron de Courcelles, le directeur général délégué de la banque, pourrait quitter son poste sous la pression de la justice américaine. Selon le New York Times et le Financial Times, BNP étudie en ce moment un remaniement de son état-major et le dirigeant devrait prendre sa retraite et quitter le groupe bancaire à cette occasion. Hier, à Paris, le président américain Barack Obama a opposé une fin de non-recevoir à François Hollande, qui souhaitait évoquer le dossier avec lui. C'est la fin de ce flash, prochain rendez-vous à midi.